Merci Gilbert. Alors vous allez me dire aussi si vous m'entendez correctement ou pas. Ça marche? Bon. Alors voilà, j'ai déjà fait une conférence en 2008 sur l'histoire de la présence franciscaine à Orsay. Les événements n'ont pas changé, donc je suis un peu embarrassé pour faire du nouveau. Et le texte de la première conférence, vous l'avez dans la petite brochure, La clarté de Dieu, architecture et spiritualité. Mais donc vous pourrez éventuellement retrouver les événements eux-mêmes. Je vais essayer de les présenter un petit peu autrement. Vous savez, je suis donc religieux franciscain, prêtre, depuis 1951 et religieux depuis 1944. C'est très loin. Une des grandes préoccupations des instituts religieux, c'est d'assurer leur survie, c'est-à-dire leur recrutement. Trouver des personnes qui, appelées par Dieu à la vie religieuse, acceptent de rentrer dans leur institut. Et donc, une des grandes préoccupations, c'est donc l'accueil des jeunes et leur formation. Cette maison ici a été conçue précisément pour assurer la préparation au ministère apostolique de religieux franciscains qui désiraient être prêtres. Et donc, les franciscains en France, comme la plupart des religieux, avaient disparu à la suite de la Révolution française et ils sont pour la plupart des instituts religieux revenus à partir des années 1850, au XIXe siècle. La rénovation de la vie religieuse en France s'est échelonnée entre 1850 et 1880, pour la plupart des grands ordres. Mais nous avons connu un certain nombre d'avatars et là encore, la plupart des religieux, pas simplement les franciscains, ont été chassés deux fois. Une première fois en 1880, surtout pour les congrégations qui avaient des instituts d'enseignement, ont été chassés de France et puis sont revenus assez rapidement. Et puis une deuxième fois, beaucoup plus radicalement, en 1902, entre 1902 et 1905. Donc tous les ordres religieux ont disparu de France, y compris les contemplatifs, tout le monde a été chassé par la République française. À la suite de la Grande Guerre, 1914-1918, les religieux qui avaient combattu n'ont pas voulu repartir de France, se sont donc réinstallés, et à cause de la pression de la population, les gouvernements pourtant hostiles à la religion et aux chrétiens n'ont pas osé appliquer les lois d'expulsion, si bien que petit à petit nous sommes réinstallés. Il y a eu une floraison extraordinaire des vocations religieuses entre 1920 et 1940. Extraordinaire. Pour vous donner un exemple, les franciscains avaient complètement disparu de France, s'étaient réfugiés au Canada, en Hollande et en Belgique, jusqu'à 1914. Nous sommes revenus en 1919 et en 1939, nous étions 300 pour la province de Paris. Et pour l'ensemble de la France, nous étions 910. C'est pour vous dire l'expansion. Ceci est valable aussi bien pour les franciscains que pour les dominicains, les jésuites, etc. Et la plupart des monastères, pareil, se sont rétablis entre 1920 et 1935. L'afflux des vocations était tel que la plupart des congrégations ont été contraintes de construire, car les bâtiments que nous avions pu récupérer après l'expulsion n'étaient plus de taille à assurer l'accueil de nouveaux religieux. Alors chaque congrégation a fait comme elle a pu pour faire face à l'événement. Pour les franciscains, nous avons donc eu un scolastica qui se trouvait à Mont-Saint-Barœul pour la théologie, qui contenait à peu près une quarantaine de places, ce qui était à l'époque jugé insuffisant. Et puis surtout, il y a eu la guerre de 1939-45. En 1939, nous étions donc dans la province de Paris à laquelle j'appartenais, nous étions donc
pas, moi j'étais pas encore, j'étais seulement petit séminariste à l'époque. Donc en 1939, il y avait près de 290 religieux franciscains de la province de Paris qui étaient formés en trois temps, au noviciat et au premier cycle de formation à Amiens et en théologie à Mont-Saint-Barœul, près de Lille. À cause de la guerre, ces religieux ont été contraints de partir au moment de l'Exode et se sont réfugiés dans d'autres maisons que nous avions. Le noviciat est parti à Quimper et les étudiants de premier et deuxième cycle sont venus à Carrières sous Poissy, donc près de Poissy, à 23 km, à 30 km de Paris. Seulement, là, nous occupions un petit château assez délabré, qui ne pouvait pas être agrandi à cause des questions de sous-sol sur des carrières, et puis parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de faire des constructions. Et donc, à ce moment-là, en 1949-50, nos responsables ont décidé de trouver une maison plus proche de Paris, plus accessible, en particulier pour les études, car nos étudiants suivaient des cours à l'intérieur du Scholastica, mais aussi suivaient des cours, quelquefois, à l'Institut catholique de Paris ou à la Sorbonne. Nous avons donc trouvé ce lieu de la Clarté-Dieu qui appartenait à une famille, la famille Courtépé, dont la dernière descendante de l'époque vivait, c'était une vieille fille qui habitait ici, qui avait 84 ans. Elle n'était plus capable de gérer le domaine et donc elle a mis en vente cette propriété qui avait à l'époque 6 hectares. Et comme c'était une personne pieuse, elle avait pris contact avec le diocèse de Paris pour souhaiter que sa maison, que sa propriété devienne une propriété, si possible, au service de l'Église. Moyennant quoi, elle consentait à, disons, un prix de vente plancher. Voyez. C'est ce qui nous a déterminés à nous installer ici. Donc en 1948, la province de Paris a décidé de s'installer en banlieue parisienne sur le trajet de la ligne de Sceaux qui permettait assez facilement la communication avec le centre universitaire de Paris. Nous avons donc acheté cette maison en novembre 1949. C'est pourquoi quand on dit aujourd'hui 60 ans, les 60 ans, c'est les 60 ans de ce bâtiment. Vous voyez ? Mais nous étions présents à Orsay depuis 1949. En 1949, nous avons construit un premier bâtiment, c'est ce qu'on appelle le bâtiment gris, en bordure de l'autoroute, ici à ma droite, et qui était destiné à servir pour faire des récollections, des retraites spirituelles pour les frères et sœurs du tiers ordre séculier de Saint-François, qu'on appelle aujourd'hui la fraternité séculière. Ce sont des laïcs qui s'inspirent de la spiritualité franciscaine, qui vivent dans le monde. Cette maison a été construite entre 1949 et 1951. Et figurez-vous que c'est moi qui en ai été le premier utilisateur. À l'époque, j'ai été ordonné prêtre en 1951 et le supérieur du couvent de Paris m'a demandé de prêcher la première récollection pour le tiers ordre franciscain, Fraternité Notre-Dame des Foyers, en octobre 1951. Ça fait un bail, bien sûr. La maison était à peine terminée, il commençait à faire froid en octobre, le chauffage ne marchait pas encore et les lits n'avaient pas été livrés. Il a fallu, en catastrophe, aller louer des lits pour que les 30 personnes qui étaient venues à la récollection puissent se coucher le soir. Ça, c'est le folklore. Donc, dans un premier temps, nous avons utilisé cette propriété pour faire des récollections, retraites spirituelles, pour le tiers ordre franciscain. Mais l'intention, en achetant ici, était de construire, à nouveau frais, un scolastica de théologie. Scolastica, ça veut dire séminaire, chez nous. Ça veut dire le lieu où on fait des études scolastiques. Donc, un séminaire. Et ce séminaire a été discuté, on ne savait pas très bien comment faire. Il y avait un problème d'argent, bien sûr. Nous n'avions aucun fonds à l'époque pour construire. Et d'autre part, il fallait trouver des architectes, faire un plan, faire un programme, etc. Le supérieur de l'époque a eu l'idée assez géniale
de faire penser la construction, non pas par des anciens de la province qui avaient des expériences, mais par les jeunes du Scholastica. Donc, on a sélectionné 3 étudiants qui étaient en deuxième année de théologie, à Carrières-sous-Poissy, à l'époque, pour penser la construction du séminaire. Et ces jeunes se sont mis en relation avec un célèbre dominicain de l'époque, le père Couturier, qui était le directeur de l'art sacré, pour voir en quelles conditions on pouvait, de façon moderne, faire une construction nouvelle pour un couvent qui est un côté à la fois moderne et cependant qui rentre dans la tradition franciscaine de dépouillement, de pauvreté. Il y avait aussi une autre contrainte, c'était l'époque des grands problèmes de construction et de logement. Beaucoup de populations avaient été déplacées pendant la guerre, il y avait donc une crise du logement qui était terrible en France à l'époque. Il y avait aussi un autre problème qui était celui des matériaux, parce que pendant la guerre, les Allemands avaient complètement désorganisé la production en France et on ne trouvait plus de matériaux de construction. C'était très compliqué pour avoir du ciment, du fer, des fils électriques pour les canalisations, tout était très compliqué. Et donc, la consigne qui avait été donnée, c'était de construire à l'économie et on avait donné comme consigne aux constructeurs de faire en sorte qu'ils ne dépassent pas le prix du mètre carré du HLM de l'époque. Voilà. Ça a été la contrainte qui a été imposée à cette maison. Je dois dire, pour être honnête, que bien sûr, on n'a pas dépassé le prix du HLM, mais on a fait beaucoup de mètres carrés. La maison, finalement, est très étendue. Personnellement, je pense qu'on aurait pu faire des choses beaucoup plus économiques en concentrant davantage le bâtiment. Mais là, nous sommes très étendus, puisque cette construction est en trois parties qui sont très distantes les unes des autres, ce qui a quand même une influence assez considérable sur le coût. Pour le financement de cette maison, nous avons eu recours à des transferts de dommages de guerre. Nous avons eu deux couvents qui ont été entièrement détruits par la guerre. Et donc on a réussi, avec des démarches administratives assez compliquées, à faire transférer l'argent qui était prévu par le gouvernement pour compenser les destructions de la guerre sur ce bâtiment, ce qui représentait à peu près le quart de la dépense. C'était les couvents de Boulogne-sur-Mer et de Amiens. Amiens a été bombardé en 1940, totalement détruit, enfin, aux deux tiers détruit, bon, pas tout à fait, aux deux tiers détruit, et puis le couvent de Boulogne a été entièrement détruit. Nous avions aussi un reliquat de destruction sur le couvent d'Épinal. Alors, ça a été à peu près le quart de la dépense de ce bâtiment. Un autre quart, c'était, on peut dire, ce qui restait comme patrimoine de la province franciscaine. Et puis, pour le reste, la moitié qui restait, on a organisé une souscription nationale qui a eu un succès tout à fait inattendu, avec le thème « Après la guerre, reconstruire un lieu spirituel pour des religieux de retour en France ». Et ce thème-là a été très, très porteur et nous a permis en une dizaine d'années de réunir les fonds pour payer d'abord la construction, puis ensuite de rembourser les emprunts que nous avions faits pour la construction. Ça, c'est pour le côté matériel et financier. D'autre part, je vous ai dit que nous avions choisi le lieu en fonction de sa proximité facile avec le centre universitaire de Paris. Nous avons eu deux grandes chances, tout à fait inattendues à l'époque. Premièrement, l'extension de la ligne de Sceaux, qui autrefois n'était qu'une petite branche de métro qui desservait péniblement la banlieue ouest et qui est devenue une ligne tout à fait organisée, rapide, avec une fréquence assez forte de transport. Donc ça facilitait grandement notre projet. Et d'autre part, à la même époque, la ville d'Orsay a été choisie par la Commission pour le développement scientifique de l'enseignement scientifique en France en raison du choix qu'avait fait le prince Ringuet, je ne sais plus. Donc,
cette personne qui a été donc originaire à l'origine de la faculté des sciences. Bon. Les laboratoires atomiques ayant été choisis sur la vallée de Chevreuse, la faculté des sciences a pu s'installer ici, et donc ça a donné un rayonnement à toute la région, qui était tout à fait inattendu lorsqu'on avait choisi de s'implanter ici. Donc le lieu était tout à fait parfait pour l'intention que nous avions. Une des raisons pour lesquelles on avait aussi décidé de construire, c'est parce qu'à la même époque, la plupart des ordres religieux avaient le même souci. Et donc, nous rentrions dans un mouvement qui était général en France. Pour vous donner une idée, nous sommes contemporains du couvent de l'Arbrel, des Dominicains, qui a été décidé quelques mois après notre propre décision et qui a été réalisé à peu près en même temps que la Clarté de Dieu. Trois ans après cette décision, les Dominicains de Toulouse ont construit leur Scolastica à Toulouse. Les Dominicains de la province de Paris ont construit également un Scolastica à Lille, quelques années après celui-ci. À la même époque, une dizaine de diocèses en France ont agrandi leur séminaire. Par exemple, le diocèse de Lille avait commencé des travaux en 1939, interrompus par la guerre, les a achevés en 1946. À la même époque, le diocèse de Bourges avait totalement réhabilité son grand séminaire. Donc il y avait un mouvement général qui venait du fait que les vocations sacerdotales et religieuses après la guerre ont été très abondantes. Je vais vous donner quelques exemples. Quand j'ai fait mon noviciat, en 1944, nous étions 21 novices pour la province de Paris. Mais l'année d'avant, ils étaient 21. L'année d'avant, ils étaient 24. L'année d'après, ils étaient 18. C'est-à-dire qu'il y avait une série de noviciats dans lesquels il y avait un nombre abondant de religieux. À la même époque, nous étions en tout 40 novices en France pour les franciscains, parce qu'il y avait 6 provinces. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Il y avait 6 provinces religieuses. Ça consistait en Paris, Rennes, Toulouse, Lyon, Metz et Bastia. 6 provinces. Donc l'ensemble des 6 provinces avait 44 novices. Le noviciat, ça dure un an. Puis après, il y a 7 ans d'études. Donc, je reviens à la construction d'Orsay. Les franciscains avaient donc décidé de s'installer ici. Et ça s'est passé en novembre 1949, signature de l'achat du terrain. Il a fallu 3 ans pour réaliser ce bâtiment ici. Nos jeunes religieux avaient choisi comme architectes des gens qui étaient tout à fait nouveaux, de jeunes architectes dont l'un était prix de Rome. Ce sont les deux frères Arsène Henri, à qui on a demandé de s'adjoindre un architecte qui était proche de la famille franciscaine. Donc un homme qui faisait partie du tiers ordre franciscain, Monsieur Bernard Bandanac, et donc à trois, ils ont conçu ce bâtiment. Pour bien réaliser leur travail, ils se sont d'ailleurs imposés de venir vivre plusieurs fois, à plusieurs reprises, quelques jours, quelquefois même une semaine, dans les divers couvents de notre province religieuse. Les trois franciscains qui étaient chargés de construire, il y avait donc 2 étudiants et l'économe de la province, se sont mis en quête également de trouver des collaborateurs qui étaient réputés à l'époque comme novateurs dans leur conception de la construction. Outre les architectes, il y a eu un célèbre sculpteur qui s'appelle Coulomb Tianos, celui qui est à l'origine du tabernacle ici. Il y a eu un célèbre verrier, un peintre plutôt, peintre verrier, qui est devenu célèbre beaucoup plus comme littérateur que comme peintre, qui s'appelle Rezvani, qui était un poète assez révolutionnaire à l'époque, mais qui a aussi été un peintre, celui qui est à l'origine des vitraux, sur verrière ici. De même, nos architectes étaient très novateurs dans la mesure où ce sont les premiers architectes en France qui ont osé faire un bâtiment totalement extérieurement en béton blanc, ce qui était relativement rare à l'époque. Ils ont eux-mêmes inventé un processus de production du béton blanc. Jusqu'ici, ça ne servait que pour la décoration intérieure, le béton blanc. Et eux ont mis au point un procédé de production importante. Donc c'est un établissement qui est novateur.
Leur architecture a été conduite à partir d'un cahier, un cahier de charge, qui est un modèle des cahiers de charge. À plusieurs reprises, des architectes, par la suite, sont venus visiter la Clarté-Dieu et m'ont demandé, quand j'étais supérieur ici, de consulter ce cahier et ont toujours été émerveillés par la qualité de la rédaction qui prévoyait le moindre détail. La vie des frères, les divers locaux qu'ils devaient utiliser, combien de temps dans la journée, quelle orientation, quels matériaux fallait-il employer, etc. Tout était prévu dans le moindre détail. Les architectes ont d'ailleurs voulu faire un bâtiment où tout était tellement prévu qu'il n'y avait plus aucune modification à faire. Par exemple, le moindre passage de câble était prévu dans le béton. Tout était absolument soigneusement prévu. Le chauffage, ce qui était novateur à l'époque, a été fait entièrement dans le sol, canalisation qui passe dans le sol. C'est devenu commun aujourd'hui, mais à l'époque c'était novateur. N'oubliez pas, 1950, ça a été conçu en 1953, terminé en 1956. Alors, entre-temps, entre 1949 et 1956, donc avant l'arrivée des étudiants, il y a eu une petite communauté religieuse qui a vécu dans le petit château actuel, on appelle la Maison Rose, où il y avait 6 religieux qui, depuis 1949 jusqu'à 1956, ont donc prêté leur service au diocèse de Versailles. À l'époque, ce n'était pas encore le diocèse de l'Essonne, c'était le diocèse d'Évry. Ça s'appelait le diocèse de Versailles. C'était la partie un peu délaissée du diocèse de Versailles. Le diocèse de Versailles est très prospère. Hein. La ville de Versailles avait beaucoup de vocations à l'époque et l'ensemble de la région des Yvelines d'aujourd'hui a toujours été assez privilégié au niveau des sertes religieuses. Par contre, le sud du diocèse de Versailles de l'époque, le Hurepoix, donc la région entre Dourdan, Étampes, Évry et Orsay, était relativement déchristianisé et peu équipé au niveau des paroisses. C'était une région qui était encore rurale et la plupart des paroisses étaient desservies le dimanche par des prêtres qui venaient de Paris. On appelait ça le service missionnaire de la campagne. Donc des prêtres de Paris, qui étaient en surnombre, venaient assurer la messe, non pas à Orsay qui avait quand même un curé, mais dans toute la zone rurale du diocèse actuel de l'Essonne. Et donc, dès que nous sommes arrivés, on a été accueillis à bras ouverts par l'évêque, Mgr Roland Gosselin, qui nous a demandé de nous impliquer dans le service pastoral. Mais voilà, Orsay avait un curé et un vicaire à l'époque. Ce curé était un homme tout à fait remarquable, un bon saint homme, qui s'appelait Monsieur l'abbé Lagrelle, et nous ne voulions pas le déposséder de son service. Mais il était en mauvaise santé. Alors l'évêque nous a fait promettre solennellement que lorsque M. Lagrelle serait en difficulté, nous viendrions prendre la paroisse. Et donc on a commencé à prendre la paroisse à partir de 1957. Donc avant, juste au moment où le couvent ici a été construit. Mais auparavant, deux frères de la communauté servaient de vicaires à M. Lagrelle, en particulier pour desservir Mondétour et les Ulysses. Les Ulysses, à l'époque, n'existaient pas. Bon, c'était la plaine. Il y avait quelques villages, Saint-Jean-de-Bourgard, etc. Et puis, il y avait une extension d'Orsay, Mondétour, qui avait une chapelle, qui était dans un petit pavillon à l'époque. C'était minuscule. Et qui avait une vie intense au niveau action catholique ouvrière. Il y avait beaucoup d'ouvriers qui habitaient dans cette partie. Et donc, un de nos frères a été aumônier de l'action catholique ouvrière des Ulysses. Enfin, des Ulysses, non pas de Mondétour, pardon. Mondétour et Bonget. Les frères également ont pris en charge à l'époque les aumôneries des mouvements de jeunesse, en particulier les scouts pour les garçons, les guides pour les filles, ainsi que les Louise de Marillac. C'est-à-dire, c'était un mouvement de jeunesse pour les jeunes filles qui avait son siège chez les sœurs de Sainte-Suzanne. L'école Sainte-Suzanne était tenue par des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, un religieux était aumônier de l'école Sainte-Suzanne. Et à l'époque, également, un religieux a été aumônier et ensuite administrateur
de l'école secondaire d'Orsay, l'école du cours hautain, comme on disait à l'époque. Cours secondaire d'Orsay, imaginé par la famille Hautain, avec des modes d'éducation qui étaient inspirés du mouvement de Montessori. Donc ces religieux avaient une activité très, très importante et ont beaucoup marqué la population à cette époque-là. En 1956, le bâtiment ici a été terminé. Et donc, en 2 mois, on a transféré les 40 étudiants et leurs professeurs du couvent de Carrières-sous-Poissy à ce couvent d'Orsay. Il s'agissait de religieux qui avaient entre 22 et 26 ans à peu près, 30 ans pour les plus âgés, qui passaient ici 4 ans de formation de théologie. Ils avaient donc des professeurs qui enseignaient les matières de la théologie, c'est-à-dire la doctrine, l'écriture sainte, l'histoire de l'Église, le droit canon, la patristique et la pastorale. Ça fait 6 matières enseignées par 10 professeurs, vous voyez, qui se succédaient ici. C'était une activité extrêmement importante qui prenait les gens à plein temps. Cependant, les étudiants ayant besoin de respiration extérieure étaient employés par les différentes paroisses des environs pour faire la catéchèse aux enfants. Donc, nous avions à peu près une quinzaine d'étudiants qui, tous les mercredis, partaient dans les paroisses environnantes pour faire la catéchèse, le catéchisme aux enfants. Et puis, quelques frères également s'occupaient de participer à des activités locales. Par exemple, il y a eu des frères qui étaient très impliqués avec les clubs de judo de la région. Il y avait des types costauds, qui étaient jeunes, qui étaient pleins d'allant, et qui participaient aux activités des associations locales, sportives, de basket et de judo. Les professeurs, eux, alors, servaient, en dehors de leurs cours, pour desservir les paroisses rurales du sud du diocèse. Moi, je suis arrivé ici en 1957, c'est-à-dire un an après l'arrivée des franciscains pour le scolastica. J'arrivais du Vietnam. J'étais missionnaire au Vietnam comme professeur de théologie dans un séminaire de vietnamiens qui préparait également au sacerdoce les jeunes religieux. Je suis arrivé ici parce que c'était la guerre au Vietnam et tous mes étudiants ont été mobilisés en une seule nuit. La police a environné le couvent et puis on a emmené tous mes jeunes. Le lendemain matin, quand je me suis levé, je n'avais plus d'étudiants. Alors à l'époque, on avait un chapitre provincial. Le directeur du chapitre m'a demandé ce que je faisais. Ben, je lui ai dit, écoutez, j'ai plus d'étudiants. Je voudrais bien aller bien me perfectionner dans la langue vietnamienne comme curé dans un village. Il m'a dit, non, vous avez préparé votre thèse, vous rentrez en France, vous faites votre doctorat et vous continuerez à enseigner. Je suis donc revenu en 1957. Je suis resté ici de 57 une première fois jusqu'à 1990. Alors j'ai été professeur à ce séminaire de théologie avec beaucoup d'activités, d'intérêts. Nous avions chaque année des ordinations pour faire de jeunes prêtres pour cette chapelle qui avait été conçue pour ça. Et puis, petit à petit, malheureusement, à partir des années 55-56, le recrutement des religieux en France a commencé à baisser très rapidement, très très rapidement. Au lieu d'avoir des noviciats de 15-20 religieux, c'est tombé à 2 ou 3, et puis après on a eu des années sans noviciats. Et donc très rapidement, cette maison a commencé à s'étioler au niveau de son fonctionnement intérieur. Non pas pour l'extérieur, parce que tous ces professeurs qui étaient là continuaient à servir l'Église et le diocèse. Parallèlement d'ailleurs à l'arrivée des franciscains, il y avait donc eu, après le départ du père Lagrelle, curé d'Orsay, un prêtre a été nommé comme curé à Orsay, c'était le père Pascal Sénard, ancien aumônier général des troupes en Indochine, qui a vraiment été une figure de la région ici à Orsay, qui a eu un grand succès comme pasteur, qui ensuite a dû quitter pour d'autres raisons, mais on a conservé la paroisse d'Orsay pendant une bonne quinzaine d'années. Voyez. Après le père Pascal, il y a eu un père Dominique Bott, puis ensuite le père Olivier Bottrel,
puis le père Pierre-Marie Carrosse, puis ensuite le père... qu'est-ce qu'il y avait après ? Non, Pierre-Marie Carrosse était le dernier des franciscains. Voyez. Donc on a eu une part importante. À certaines époques, dans le diocèse qui avait été constitué entre-temps, puisque c'était d'abord diocèse de Versailles, puis ensuite diocèse de l'Essonne, nous avons eu une quinzaine de religieux qui étaient totalement impliqués dans la paroisse diocésaine. Moi-même, j'ai eu des responsabilités dans le diocèse. J'ai été le secrétaire du conseil presbytéral. J'ai été formateur des prêtres et des diacres du diocèse. J'ai été responsable diocésain de la pastorale des foyers, des ménages, pastorale du mariage. Vous voyez. Et mes confrères également avaient des charges semblables. Cette maison ici, donc, a fonctionné comme séminaire jusqu'en 1969. Mais vous savez qu'en 68, il y a une révolution générale dans l'enseignement. Alors, nos étudiants en théologie de l'époque ont participé, parce que c'était de leur âge, au mouvement de 1968. Ils ne sont pas les seuls, puisque la plupart des séminaires religieux en France ont vécu la même expérience. Pour nous, ça s'est passé relativement bien. Ça n'a pas été partout pareil. Par exemple, nos voisins de Villebon, qui étaient les pères lazaristes, avaient, en 1967, avaient réhabilité le château de Villebon pour en faire leur scolastica de théologie. Ils ont dépensé énormément d'argent. À cause des travaux, le scolastica n'a pu rentrer qu'au mois de novembre. Il y avait donc 12 étudiants lazaristes. Et en 68, ils ont participé à une certaine révolte étudiante. Leur supérieur provincial s'est fâché et les a tous mis dehors. Et donc, le château n'a fonctionné comme scolastica que pendant un an, même pas un an, de novembre 67 à mai 68. Ils ont fait comme nous, ils ont transformé leur maison en maison d'accueil, ils ont rendu beaucoup de services au diocèse et à la région parisienne. Donc ici, il s'est passé que nos étudiants eux-mêmes supportaient mal le régime, disons, de séminaire un peu fermé. La conception de la formation des religieux à l'époque, c'était les mettre à l'écart du monde, et puis on leur donnait un enseignement qu'ils devaient recevoir, voyez. Et ensuite, une fois dans la vie, ils pouvaient reprendre une vie de relation extérieure. Mais ils avaient une vie assez fermée. La seule ouverture était, encore une fois, la catéchèse dans les paroisses. Il y avait eu entre-temps la guerre d'Algérie. Or, la guerre d'Algérie, à peu près un tiers du scolastica a été mobilisé, parti à la guerre, dans des conditions très dures à l'époque. Moi-même, étant professeur ici, j'ai fait partie d'un collectif de responsables éducatifs organisé par le diocèse de Paris pour réfléchir à la façon d'accueillir nos étudiants mobilisés pour la rentrée. Et les rentrées sont faites très difficilement. D'ailleurs, à peu près la moitié des frères, au moins la moitié sinon plus, des frères qui avaient été combattants en Algérie ne sont pas revenus. Ils avaient connu une vie totalement différente, ils avaient été mêlés à des situations souvent tragiques. Il y avait eu énormément de divisions entre les catholiques sur la façon de se situer par rapport à l'Algérie, et tout ça avait totalement ruiné leur désir de devenir religieuse ou de consécration. Et si bien qu'à la rentrée, la plupart des frères, quand ils sont revenus, même s'ils sont revenus pour un ou deux ans, ont quitté par la suite. On a eu un grand déficit suite à la guerre d'Algérie. Mais non seulement la guerre d'Algérie avait provoqué un déficit, elle avait aussi provoqué une contestation générale sur le type d'éducation que nous donnions à l'époque. J'ai eu l'occasion, en 1967, de participer à un camp de jeunes étudiants de la Sorbonne qui se passait en Corse avec des philosophes et des géologues, étudiants en géologie. Et j'étais très étonné parce que ces jeunes, qui étaient donc de l'âge des étudiants dont je m'occupais ici, ont été extrêmement critiques sur l'Église, sur la formation qu'ils recevaient
en Sorbonne ou ailleurs, ou dans d'autres facultés, et participait déjà à des mouvements plus ou moins secrets de révolte, qui pouvaient prévoir déjà la révolte de 68. Et quand je suis rentré à la fin des vacances, j'étais le plus jeune parmi les professeurs, j'ai partagé avec mes confrères cette situation en leur disant « Attendrons-nous à quelque chose de bouleversant pour l'enseignement que nous donnons ?» Et ça n'a pas manqué, ça n'a pas manqué. Au mois de mai 68, je devais prêcher une récollection pour un groupe spirituel qui se tenait donc dans le bâtiment gris ici, où nous recevions toujours des retraitants. Et voilà qu'une partie des retraitants n'ont pas pu venir. Coup de téléphone, on ne peut pas quitter Paris, il y a des barricades. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai connu le mouvement de 68. Je devais prêcher et je devais commencer à 17h samedi soir la prédication. Et on me dit, tout le monde n'est pas arrivé, il manque la moitié de l'effectif. Et je reçois moi-même des coups de téléphone d'amis que je connaissais, ils devaient participer, qui habitaient au centre de Paris, impossible de circuler, barricade. On a passé toute la nuit à écouter la radio. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il y avait une télévision, mais qui était peu performante. Et pour entendre tous ces événements plus ou moins tragiques, enfin, on ne savait pas très bien s'ils étaient tragiques ou non. On n'y croyait pas trop au début. Puis finalement, c'était un bouleversement total. Le lendemain matin, le lundi matin, au mois de mai, 15-17 mai par là, le supérieur du couvent des Dominicains, au seul soir, est réveillé à 7h du matin par un coup de... Enfin, réveillé tout au moins, appelé à 7h du matin par le maire d'Évry, un socialiste de l'époque. Mon père, qu'est-ce qui se passe? Il y a un drapeau noir sur le clocher de votre couvent. Et de fait, les étudiants en théologie dominicains du seul soir, pour se sentir solidaire des mouvements de révolte des étudiants de Paris, avaient pendant la nuit hissé un drapeau noir sur le clocher du seul soir. C'est pour vous donner une idée de l'ébullition de l'époque. Et au Scholastica ici, il n'y a pas eu de révolte, mais il y a eu une espèce de grève des cours. Le lundi matin, je viens pour faire cours, et je trouve un piquet de grève, en quelque sorte, qui me remet un document écrit en disant « Il est temps de changer les formules de l'enseignement, fini les cours magistraux, prière de tenir compte de nos personnalités, de nos idées, etc. » J'ai pris ça un peu en riant sur le moment. Comme nous étions franciscains, on avait dans le Scholastica un esprit de famille extrêmement proche. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre les professeurs et les étudiants. On était vraiment amis, frères. Et donc, ça se passait à la bonne franquette. Et donc, on commence à discuter. Mais la grève, tant qu'il y aura la grève chez les étudiants à Paris, nous faisons grève ici. Voyez. Alors, nous étions à l'époque, nous étions 10 ou 12 professeurs, dont 5 ou 6 résidents ici. Les autres habitaient ailleurs et venaient faire leurs cours. Alors on se concerte. On va attendre que ça se passe. On n'était pas trop pressé, on va voir. Et puis tout de même, cette ébullition a duré à peu près une quinzaine de jours, donc jusqu'au début du mois de juin. La maison d'accueil était fermée puisqu'il n'y avait plus de transport en commun. Les gens n'avaient plus d'essence pour rouler avec les voitures. Donc la maison d'accueil terminée. Or, c'était la maison d'accueil qui finançait le Scholastica. C'est-à-dire que nous nous trouvions en difficulté financière, nous n'avions pas d'arrière financier, et donc on vivait avec les rentrées de la maison d'accueil. Donc, grande difficulté. Un certain nombre de professeurs, totalement découragés, ont donné leur démission. Alors, la province de Paris a réuni en catastrophe un chapitre extraordinaire, qui n'était pas prévu, pas du tout, pour savoir qu'est-ce qu'on fait au Scholastica. Et donc, assez rapidement, on a décidé, premièrement, on termine l'année scolaire, deuxièmement, on ferme le Scholastica, troisièmement, les étudiants de dernière année se reconduisent au sacerdoce en formant un petit groupe
sous la responsabilité du Père Luc. Je me suis retrouvé avec 12 étudiants qui ne voulaient plus habiter ce bâtiment. On s'est retiré dans le petit château à côté et on a fait une vie très sympathique pendant un an, jusqu'à l'ordination de cette dernière année de frères. Le frère Jean-Marie Burdeau, que vous connaissez, faisait partie de ce groupe, ainsi que l'archevêque de Strasbourg, enfin, celui qui vient de démissionner, Monseigneur Granet. Voyez. Donc nous nous sommes retrouvés, un petit groupe, ici, et ces frères ont été ordonnés au mois de juin, au mois de juillet, pour devenir à leur tour franciscains. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais on n'a jamais pu rouvrir le Scholastica, parce que nous n'avions plus suffisamment d'étudiants. Il y avait 2 ans que nous n'avions plus de novices, et les autres provinces qui collaboraient avec nous pour leurs étudiants ont retiré leurs billes parce qu'ils avaient peur de la contagion de Paris dans la province. Les frères de Strasbourg ont repris leurs billes, les frères de Toulouse ont repris leurs frères, les frères de Strasbourg avaient 2 professeurs parmi nous, ils sont repartis chez eux, le Scholastica devenait impossible. Alors à ce moment-là, ce chapitre extraordinaire a décidé de transformer ce bâtiment en bâtiment d'accueil, de récollection, de prière, ce que nous avons fait. Pendant un an, 2 frères se sont chargés de ce travail, frère Patrick Mott et le frère Guy Bougerolle, mais eux-mêmes n'étaient pas tellement motivés par cette tâche. Et au chapitre suivant, on est venu me trouver pour me dire, ben voilà, où on va à la maison, où tu la prends et tu te débrouilles avec. Après 68, comme nous n'avions pas eu de fréquentation de la maison d'accueil entre le mois de mai jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire pendant 6 mois, les caisses étaient vides. J'ai pris la maison avec des dettes, des travaux qui étaient en cours, pas d'argent pour payer les impôts. Je me suis trouvé ici dans une situation impossible. Mais ça a quand même marché. Quelques bienfaiteurs nous ont aidés, nous ont fait des prêts, j'ai réussi à payer les impôts, enfin bon. Et puis petit à petit, la vie est repartie. La maison a changé complètement de destination. Comme je le disais ce matin dans mon homélie, pas entièrement dans la mesure où son service était formé à l'évangile, à la prédication des frères et leur donner une vie intérieure. Bien, nous avons considéré que ouvrir la maison à des laïcs et leur permettre d'avoir une formation et eux-mêmes un ressourcement spirituel continuait bien la vocation pour laquelle cette maison avait été faite. C'est donc ainsi que la clarté de Dieu a continué. Elle a continué parallèlement aux activités pastorales que les franciscains ont réalisées dans le diocèse de l'Essonne. Donc le diocèse était d'abord diocèse de Versailles, créé ensuite avec Mgr Balbois. Mgr Balbois, au bout de 3 ans, a démissionné, a été remplacé par Mgr Herbulot. On a toujours été, vis-à-vis du diocèse, dans une convivialité, une communauté de pensée totale. Moi, j'ai eu la chance d'être très ami avec Mgr Herbulot, qui m'a confié un certain nombre de tâches, et lui-même connaissait parfaitement 2 frères de la communauté qu'il avait connus dans le diocèse de Reims, lorsque nous avions une communauté à Charleville. Et si bien que ces relations de Mgr Herbulot avec le père Jean-Yves Duchesne, père Jean-Marie Burnot qui est ici, et puis un autre père qui est décédé maintenant, père Reynald, a permis une transition parfaite et nous avons été en communion parfaite avec le diocèse. Service rendu réciproquement. Voyez. Donc la communauté ici s'est beaucoup appliquée dans la pastorale. Quelques frères ont été curés dans la région rurale du diocèse. Quelques frères ont participé aux diverses paroisses urbaines de la région ici, à Lozère, à Palaiseau, à Limours même, à Orsay, à Villebon. Et encore aujourd'hui, le frère Jean-Marie est toujours participant à la pastorale de la vallée de l'Yvette. Voyez. Donc nous avons eu, de ce point de vue-là, énormément de relations. Au niveau des relations avec les laïcs, elles se sont situées à plusieurs niveaux.
D'une part, nous avons conservé l'animation ou l'assistance spirituelle aux fraternités séculières franciscaines. Il en existait à l'époque à Orsay, à Savigny, Savigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge, et puis également alors dans la partie ouest du diocèse. Et puis, bien souvent, les religieux de la communauté participaient à des prédications dans les diverses paroisses. Moi, j'ai eu l'occasion, en 40 ans, de prêcher pratiquement dans toutes les paroisses du diocèse. J'ai fait des formations au niveau des prêtres, au niveau des diacres, dans les divers doyennés autrefois, secteurs pastoraux aujourd'hui. En particulier, j'ai eu la charge à un moment de faire la promotion de la formation pour la confirmation. Pendant une époque, la confirmation avait été gelée dans le diocèse. Et il a fallu que Mgr Herculo relance l'affaire, et j'avais été chargé de rédiger un directoire pour la confirmation, que j'ai été expliqué ensuite dans chaque secteur pastoral. Donc nous avions un rayonnement qui était assez important. Et puis il y a eu des paroisses, comme par exemple Verrières-le-Buisson ou bien Massy-Verrières, qui ont pendant un certain temps eu des curés franciscains. Et tout ça nous a donné, avec le clergé local, une très grande proximité, une grande confiance. La paroisse d'Orsay elle-même, d'ailleurs, donc, a été pendant très longtemps une paroisse assez remarquable du diocèse, tant par ses initiatives à la suite du Concile Vatican II, que par la qualité à la fois de la prédication et puis des œuvres apostoliques qui se sont situées. Et puis à Beaujour, nous n'étions pas absolument curés, nous étions administrateurs. Hein. Les curés, c'était le rôle des prêtres séculiers. Nous étions administrateurs des diocèses, et donc à un moment donné, n'ayant plus suffisamment d'effectifs pour assurer les diverses fonctions, on s'est progressivement retiré. C'est ainsi que la paroisse d'Orsay est devenue à nouveau assumée par des prêtres séculiers. Mais nous sommes toujours restés en relation étroite avec eux. Que vous dire encore pour l'histoire? La Clarté Dieu a toujours été un lieu de conflit au niveau de l'ordre franciscain. Pourquoi? Eh bien, vous savez, dans la tradition franciscaine, il y a toujours eu une tension entre ceux qui voulaient une vie extrêmement pauvre, proche des pauvres, et dénuée de toute activité institutionnelle. Et puis, une autre branche qui a toujours voulu participer à l'activité, avoir une activité apostolique, et donc gérer des œuvres. Quand on a construit la Clarté Dieu ici, il y a eu dans la province de Paris une forte opposition. Les frères ne voulaient pas construire, parce que c'était une dépense. Et d'autre part, le fait d'avoir choisi la vallée de Chevreuse, pour certains, apparaissait comme un choix qui était plutôt du côté des gens aisés que du côté des pauvres. Ça a donc été, dès le début de la vie de la Clarté Dieu, une difficulté. Se faire accepter par l'ensemble de la province religieuse. Alors, lorsqu'après 68, un certain nombre de religieux ont voulu vivre en petite communauté, dans des milieux les plus modestes, et souvent avec des prêtres ouvriers ou des prêtres qui étaient proches des populations ouvrières, il y a donc eu un certain conflit. Voyez. Et si bien qu'au fur et à mesure que les religieux changeaient de supérieurs, selon que les supérieurs appartenaient à une tendance ou à une autre, on remettait en question l'existence de la Clarté Dieu. À plusieurs reprises, moi-même, j'ai dû faire des dossiers explicatifs pour expliquer en long et en large le travail que nous faisions, l'importance que ça avait pour l'Église, l'attente des fidèles, les fruits spirituels que j'estimais être obtenus par notre présence ici. Ça ne convainquait pas tout le monde. Et donc, on a eu un provincial qui, tout à fait honnêtement, désirait supprimer la Clarté Dieu. Donc ça s'est passé à plusieurs reprises. Chaque fois, on a réussi à expliquer que c'était quand même important de rester. Et alors, le dernier assaut, ça a été lorsque j'ai été nommé provincial. Nous avions ici, pour gérer la maison, un petit groupe, non pas de religieuses, mais de femmes tertiaires franciscaines, qui vivaient en communauté pour le service de la maison. Ces femmes étaient arrivées à la limite de l'âge, elles étaient épuisées,
et il fallait trouver la relève. Mais il n'y avait plus de vocation religieuse chez les femmes à partir des années 70. Et si bien que, faute de cette coopération, ça donnait un argument pour ceux qui voulaient supprimer la maison. Et moi, à l'époque, je faisais partie du conseil provincial. Et le provincial annonce « Je vais fermer la maison d'Orsay ». Alors je réagis aussitôt en disant « Mais dans un an, nous avons un chapitre provincial. Il n'est pas question qu'on prenne une décision à un petit groupe, même si nous sommes responsables, sans consulter l'ensemble de la province. Et donc je demande qu'on attende le chapitre provincial pour prendre une décision. » Bon, le provincial, qui était un homme tout à fait honnête, bien qu'il ait d'autres idées, me dit « D'accord ». Mais il me dit « Ben alors dans ces cas-là, il faut expliquer à la province les tenants et les aboutissants. » Alors je dis « Bon, ben très bien, je m'en charge. » J'ai fait un dossier de 40 pages. Alors là où je me suis fâché avec mon provincial, je l'ai envoyé en 48 heures à chacun des religieux de la province, y compris au provincial, qui reçoit ça par le courrier. Il m'appelle furieux. Et je ne t'ai jamais autorisé à faire ça. Tu m'as dit de faire un dossier. Comme tous les frères sont invités au chapitre, ils ont tous besoin d'être informés, donc j'envoie le dossier à chacun. Il a mal digéré. Hein. Et au chapitre provincial, la question de la clarté de Dieu était posée. Alors, un petit groupe s'était formé pour faire l'opposition, pour demander la suppression de la clarté de Dieu. Il s'est trouvé que le frère qui était chargé de ça n'était pas un très bon rédacteur. Il ne savait pas très bien faire les dossiers. Et il avait fait 4 pages. Moi, j'en avais 60, hein, 40, 60. Et puis alors, il arrive ici, c'est moi qui l'accueille, puisque j'étais le patron. Bonjour mon frère, on était bons amis, hein, mon frère. Alors il me dit, t'as gagné. Je dis, comment j'ai gagné? Je dis, il y a le chapitre qui m'a décidé. Bah, c'est cuit d'avance. Et de fait, au chapitre, la première question a été posée, il y a eu des votes, et tout le monde a voté pour le maintien de la clarté de Dieu. Alors, ce qui n'était pas prévu par moi, mais qui m'est arrivé, c'est que j'étais nommé provincial, du coup. Mais, étant nommé provincial, je devais quitter les lieux. Il fallait donc trouver une continuité, et le Seigneur est bon, il a permis que le frère Jean-Marie Burneau, ici présent, accepte de prendre la suite. Voyez. Et donc, même si ce n'était pas tout à fait son désir, il a quand même fait les choses honnêtement, puisque les choses ont continué. Et puis, quelques années après, la communauté franciscaine diminuant en nombre, on a été obligé de faire des fusions de provinces. Et chaque fois, il a fallu refaire des dossiers pour, malgré les fusions, maintenir l'existence de la clarté de Dieu. Ça s'est fait grâce à l'association qui était donc gestionnaire de la maison, qui au début n'avait pas beaucoup de fonctions parce qu'ils étaient simplement des laïcs qui avaient accepté de donner leur nom pour signer les papiers juridiques, mais qui progressivement ont pris en charge la maison. Et à partir des années 2000 pratiquement, ce groupe de laïcs, administrateurs de la clarté de Dieu, s'est étendu et a recruté des bénévoles. Et donc, un nouveau président de l'association de gestion de la clarté de Dieu, qui était donc M. Dominique Tulane, a réussi à réunir une quarantaine de bénévoles qui, grâce à leur dévouement, à leurs compétences, à leurs talents, ont réussi à faire continuer fonctionner la maison. Entre-temps, la pastorale dans le diocèse assurée par les franciscains a diminué du fait du nombre, mais les quelques frères qui sont restés ont courageusement continué leurs fonctions. Au début, il y avait deux communautés à Orsay, même trois communautés. Il y a eu la communauté de la clarté de Dieu, une communauté de frères plus âgés, qui avaient encore des fonctions dans la diocèse, dans le petit bâtiment gris, et puis il y a eu une communauté qui avait la gestion de l'aumônerie du lycée et de la faculté des sciences. Alors petit à petit, ces choses-là se sont recroquevillées et disparues à cause du nombre. Donc, nous avons dû abandonner l'aumônerie de la faculté des sciences et par la suite l'aumônerie du lycée. Mais néanmoins,
les frères qui sont restés ont toujours assumé très courageusement leurs travaux. L'histoire aussi, donc, nécessairement doit passer par la présence des frères qui ont été dans ce bâtiment gris. Donc il y avait une fraternité entre 15 et 18 religieux qui, pour la plupart, étaient âgés et donc qui ont vécu ici en communauté avec la fraternité gérant la maison de retraite et donc qui permettait à des frères plus âgés d'être pris en charge et de continuer à avoir un peu d'activité apostolique. Alors il y a eu parmi eux des gens très, très performants, et par exemple le frère Gérard Guiton qui a été là longtemps aumônier de la fac, ensuite était missionnaire au Togo, puis ensuite était gardien de la communauté ici. Il y a eu un frère Régis de Berre qui est décédé maintenant, il y a le frère Rémi Perrault qui vit encore, donc parmi les anciens gardiens il ne reste plus que trois frères, Rémi Perrault, Gérard Guiton et moi-même. Vous voyez ? Tout ça, évidemment, se passait dans des années qui sont maintenant bien dépassées. Alors, la clarté de Dieu, à partir de l'an 2003-2004, a donc été entièrement pris en charge par des laïcs. Ça a été d'abord M. Deblic-Tulane, assisté par un certain nombre de gens très dévoués, comme Gérard Boulle, qui était le comptable de la maison, le syndic, et puis par bien d'autres personnes qui se sont succédées. Et aujourd'hui, on peut dire que plus d'une quarantaine de personnes sont intéressées au fonctionnement habituel de la maison. Ça va depuis l'entretien du parc, l'animation liturgique, l'entretien des bâtiments, le service d'accueil des personnes qui fréquentent le centre spirituel. Vraiment une grande solidarité dont on peut vraiment saluer l'activité et puis avoir de l'action de grâce auprès du Seigneur pour avoir suscité tous ces dévouements. On a toujours été aussi assisté par la famille franciscaine, soit par le tiers-ordre régulier, à la personne des religieuses, à la suite des quelques personnes laïques qui formaient une petite communauté à l'origine, il y a eu des sœurs des religieuses, qui ont été les religieuses de Saint-François, Saint-François d'Assise de Montpellier, qui, elles aussi, ont dû abandonner à un moment donné en raison de leur âge, et ont été, on pourrait presque dire, miraculeusement remplacées par les sœurs servantes de Marie, franciscaines servantes de Marie. C'était pas très facile à trouver parce que à l'époque on a fait appel à leur dévouement. La plupart des congrégations religieuses en France sont en perte de vitesse. Alors, il se trouve que ces servantes de Marie, qui ont été 150, 200 au début du XXe siècle, ne sont plus qu'une trentaine en France aujourd'hui, mais elles avaient fait des recrues en d'autres pays. Et donc, cette congrégation très prospère en Inde et à Madagascar a accepté de nous envoyer des sœurs de ces pays-là pour nous aider ici dans notre charge. Et nous pouvons nous réjouir d'avoir trouvé vraiment des sœurs humbles, disponibles, et puis totalement prête à s'investir et à servir les chrétiens que nous sommes. Alors on a une admiration sans borne et une reconnaissance pour la sœur Rita, qui est devenue entre-temps la responsable générale de cette congrégation et qui a servi ici plusieurs années, et pour les sœurs qui lui succèdent. Et puis aussi, il faut dire que les religieux ont continué, quelques-uns. Hein. La fraternité change parce que chez nous, la tradition, c'est qu'on change tous les 3 ans. Moi, je suis resté 46 ans ici. Enfin, c'est vraiment une exception. En général, tous les 3 ans, il y a un chapitre provincial qui remet en cause la composition des fraternités. Comme le nombre diminuait drastiquement, évidemment, les frères sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui, mais ils sont toujours aussi impliqués. Alors aujourd'hui, nous avons un frère gardien pour la fraternité, frère Hugues, qui revient d'être missionnaire au Togo et au Bénin, où il est resté longtemps. Il avait déjà fait un petit séjour ici, comme aumônier de l'hôpital de Bligny, il y a quelques années déjà. Puis après, il est parti au Togo, et puis il revient ici comme gardien. Gardien, chez nous, ça veut dire serviteur des frères, en fait responsable. Il est aidé par
le frère Benoît Dubigeon, n'est-ce pas, que vous connaissez bien, qui est l'actuel chapelain de cette église, et puis responsable aussi de l'animation spirituelle et culturelle de la Clarté Dieu. Et puis il y a d'autres frères qui sont passés ici. Il y a le frère Jean-Marie Burneau qui a été gardien ici, responsable de la maison d'accueil, et qui continue à servir le diocèse. Et puis il y a eu des frères africains qui sont passés ici, comme Benoît Michel à Moussou, qu'ils avaient connu, et d'autres peut-être qui viendront par la suite. L'autre souci, c'est dans l'humilité de rester au service de cette maison, bien sûr, mais surtout au service du diocèse et des personnes qui fréquentent la maison. Alors tout ça ne peut se servir que moyennant la coopération des nombreux bénévoles que le Seigneur nous a envoyés, avec qui nous sommes en parfaite amitié, et la coopération aussi de tous les gens qui viennent fréquenter la maison, qui viennent s'y ressourcer, qui viennent trouver des raisons d'être meilleurs chrétiens, de mieux connaître l'Évangile. Il y a parmi les bénévoles qui s'occupent de la maison ceux qui s'occupent aussi du rayonnement spirituel de la maison. Je pense aux gens qui donnent des enseignements, des activités spirituelles, la connaissance de la Bible, une meilleure connaissance aussi des activités de l'Église. Là, je n'ose pas citer des noms parce que je risque d'en oublier et de faire des erreurs dans les prénoms. Mais je pense quand même à Philippe Billard, qui tient une très grande place dans le rayonnement spirituel de la Clarté Dieu. Une maison comme celle-ci est une cellule d'église. Elle ne peut vivre que si les gens qui s'y rattachent ont une profonde foi dans le Christ et un profond désir de servir les autres. Tout cela doit se réaliser dans la convivialité, dans l'amour mutuel, dans le pardon des difficultés ou des blessures qu'on peut parfois s'infliger sans le vouloir. En tout cas, c'est la condition même pour que le rayonnement franciscain, initié par François d'Assise, le petit pauvre, frère de tous, continue à être présent dans l'Église et à apporter sa pierre à la vie spirituelle de notre pays. Merci à tous. Peut-être des questions. Si par hasard il y a des questions d'éclaircissement ou autre, je peux toujours répondre. Je peux essayer en tout cas. Pour des détails plus précis, des dates et des noms et des circonstances, vous avez toujours la conférence que j'avais faite en 2008 et qui est reproduite dans ce petit volume, donc « La clarté Dieu, architecture et spiritualité ». Donc, disons que la conférence est mieux composée que ce que je vous ai dit ce soir. Ce soir, c'était plus spontané, là-dedans, c'est plus rédigé. Mais c'est à peu près les mêmes histoires. Oui, je crois qu'il est tout à fait complet. On reprend par des éléments que
Loué soit Dieu, Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées pour moi. Tu t'es formé dans le sein maternel de ma vie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec les yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui par ta lumière enfante son monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vises aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu, mon Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange, notre gratitude pour chaque être créé, chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence. Aime le bien commun, promeut les faibles et prête soin de ce monde que nous aimons. Les pauvres et la terre de couleur. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toutes nos vies, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Thank you.
son visage nous donne la paix. Que le Seigneur nous bénisse, Père, le Fils et le Saint-Esprit.